heureuse de te recevoir ici parce que je t'ai choisie. Je t'ai choisie pour m'accompagner, moi, dans mon entrepreneuriat. Et je t'ai choisie pour Argent égale joie parce que tu as une belle expérience tant sur l'énergie sexuelle que sur l'énergie d'argent. Et aujourd'hui, on voulait ensemble eh bien, pouvoir partager un petit peu nos pépites de conscience concernant cette magnifique énergie d'argent, le plaisir féminin et puis le plaisir masculin. Parce que toi, tu es aussi assez orientée sur le plaisir masculin. Oui, les deux m'amusent. Au masculin. Les deux m'amusent, effectivement. Vu que peut-être ma communauté ne te connaît pas trop, du moins, est-ce que tu veux bien nous dire, parce qu'ils me connaissent un petit peu, hein, Karine Morère, facilitatrice de conscience sur l'énergie d'argent, l'énergie sexuelle, et j'accueille les gens à jouir de leur vie avec un grand oui. Voilà. C'est ça. Exactement. Et toi, Cécile, j'adore ça. Qui es-tu? Oh là, alors j'aime bien me présenter comme une boule à facettes. Avec beaucoup de facettes à mon arc parce que je suis quelqu'un de très très curieux, passionné et j'adore découvrir. J'adore aussi cette idée de pouvoir rayonner, éclairer sous différents angles les personnes que j'ai en face de moi. Je suis en exploration constante de qui je suis depuis que je suis sur cette terre dans ce corps. Et au fur et à mesure où je découvre des facettes, j'ai besoin, naturellement, c'est viscéral de transmettre et donc de refléter ce que j'ai découvert. Et puis, depuis plus récemment, je découvre aussi les facettes qui sont dans l'ombre et puis je les accueille et je les aime et je les chéris tout autant. Donc, ce qui me permet de rencontrer aussi en face de moi des personnes et des personnalités très variées et puis passionnante. Donc, j'ai des activités qui sont d'un certain côté, on va dire, assez pragmatiques, pratico-pratiques, puisque je propose de la consultance en web marketing et puis en création de formations en ligne pour les coachs, les formateurs, les thérapeutes. Donc, ça, c'est une partie très concrète. Et puis, j'ai également tout un pan de mon activité qui tourne autour de s'exprimer, avec le jeu de mots s'exprimer, la s'expression, pour s'expanser, pour s'éclater, pour casser tous les tabous autour de la sexualité et puis surtout faire circuler cette énergie de vie qu'on a en nous. Et donc ça passe à travers des chroniques, radio, ça passe à travers des écrits. Et c'est vrai que comme ça, au premier abord, on ne comprend pas trop le lien, mais le lien, c'est toujours cette boule à facettes et ce cœur vibrant qui est à l'intérieur de la boule à facettes. Cool. Donc, je suis ravie de parler à ta communauté. Je suis très touchée d'être ici où je me sens en famille. Et je me disais, la perspective de ce live me réjouit tellement parce que la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, ça, c'est une femme puissante. Ça, c'est une femme extraordinaire qui fait du bien. Et je me disais hier que la première fois que je t'avais croisée, ça avait l'air trop pour moi, too much. Et aujourd'hui, je vois qu'on joue ensemble, qu'on danse ensemble, qu'on s'apporte mutuellement, qu'on crée ensemble. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir qu'on puisse à deux, comme ça, amplifier. C'est pas doublé, c'est puissance 2, puissance 10, puissance 1000. Parce que bien sûr, en face, on a aussi une audience de femmes extraordinaires et certainement des hommes. Je vois pas tout le monde, je vois pas qui est en ligne exactement. En tout cas, je suis super heureuse d'être avec vous ce midi. Cool. Alors, on va parler de ta question, t'as vu ? Yes, j'adore, mais juste super, super synthétique. Hein. J'adore. Oh, j'adore. On se fait plaisir. Et moi, j'ai envie qu'on aille ensemble ce midi avec je te vois plus, t'as disparu, hop, là, t'es revoilà. Qu'on aille avec toutes ces femmes-là et ces hommes qui sont là à nous écouter, mais qu'on parle de plaisir et d'argent. Voilà, parce que finalement, on est bien d'accord, toutes les deux, que l'argent, la sexualité et je dirais même la mort, pour moi, il y en a trois des aspects qui sont les plus tabous en France, enfin du moins en France, c'est quand on parle de sexe, d'argent et de mort. C'est quelque chose, très souvent, trois espaces qui sont lourds
dans lequel il y a beaucoup de contractions, de difficultés d'expression, de facilité. Enfin, ce n'est pas du tout facile, hein, de pouvoir s'exprimer, comme tu disais tout à l'heure, sur ces sujets. Et nous, aujourd'hui, on a choisi de pouvoir partager sur le plaisir et l'argent. Oui. Il y a un... quitte à y aller pour un tabou, autant y aller pour faire tout le monde en même temps. Allons-y, allons-y, allons-y. Ouais. Débouchons toutes les canalisations, ça ira plus vite. Ouais, enfin, très souvent, je me rends compte, tu vois, dans mes accompagnements, que quand il y a une problématique à recevoir le plaisir sexuel dans un domaine, enfin, qu'est le plaisir sexuel, donc le plaisir du corps vivant, très souvent, c'est relié en fait à la capacité que nous avons de recevoir l'énergie d'argent sans séparation. C'est-à-dire que les blocages que je mets en place concernant le plaisir de la chair, automatiquement, l'argent va être conditionné pour rentrer dans mon univers. Moi, je viens de cet espace-là, hein, que tout achat devait remplir certaines conditions, ça devait être utile, ça devait être noble, servir une bonne cause, ça devait faire survivre ma famille. Mais en l'occurrence, c'était pas, enfin, je viens de cet espace, hein, c'était pas du tout au départ, comment te dire, l'argent, ce n'était pas une énergie qui était faite pour me donner du plaisir, ni pour les futilités, ni pour le superficiel. Oui, oui, oui. Je connais bien ça aussi. Je connais bien ça aussi. Bon, bien sûr, on a tout l'arbre généalogique là qui va se réveiller. Hein, désolée, si on se coud un peu, mais bon, c'est vrai qu'on vient aussi de. Enfin, moi, mes grands-parents nés juste avant la guerre. Je veux dire qu'ils ont connu la famine, la disette, la pénurie. Et nous, on arrive là quelques années plus tard. Hein, c'est à peine quelques années plus tard, en fait. Hein. Et on arrive avec cette liberté, déjà, cette liberté sexuelle qui est extraordinaire, cette liberté de pouvoir faire l'amour quand on veut, avec qui on veut, sans aucune crainte de tomber enceinte, et puis avec aussi un niveau de sécurité quand même qui est très agréable en France, en tout cas. Et puis, avec ça, on arrive aussi à cette époque où les femmes ont leur autonomie financière, et peuvent faire exactement tout ce qu'elles veulent, et notamment se faire plaisir, et donc jouir à la fois sur le plan sexuel et jouir à la fois sur le plan de leur indépendance financière qu'elles ont gagnée. Finalement, c'était avant-hier. Hein. C'était avant-hier. Bah, c'était à l'époque de ma mère, c'est ma mère, 1965, il me semble. C'est ça. Et c'est marrant que tu fasses ce lien avec nos grands-parents, parce qu'en fait, quand tu regardes l'histoire, l'indépendance sexuelle et l'indépendance financière sont intimement intriquées au niveau des dates. Des dates. Oui. La possibilité d'avoir un compte en banque, la possibilité d'avoir un moyen de contraception, la possibilité de pouvoir hériter. Enfin, tu comprends toutes ces choses-là quand on regarde au niveau des dates. Je les ai plus en tête. Je sais que 74, c'est l'avortement, mais il y a eu aussi le droit de contraception, parce qu'avant, ce n'était pas légal. Et il y a eu ce droit au compte en banque. Avoir un compte en banque en son nom propre, en tout cas, et ben, tout ça, c'est intimement intriqué. Et toi aussi, j'imagine que tu dois rencontrer dans tes coachings des femmes qui sont totalement, en fait, effacées derrière le pouvoir financier de leurs hommes. Elles disparaissent au niveau du nom. Moi, je me suis appelée Madame Tatati Tatata pendant des années. Et je trouvais ça très bien à l'époque d'être planquée. Hein. Alors moi, j'ai pas connu ça, mais je l'ai connu sous une autre forme, parce qu'en plus, j'ai été mariée deux fois, donc j'ai eu deux expériences assez différentes. Mais c'est vrai que les clientes que j'accompagne, qui sont thérapeutes ou coachs, elles viennent parce qu'à un moment, elles veulent... impacter davantage, elles veulent toucher plus de clients, de patients, elles veulent travailler moins et puis elles veulent aussi plus de confort dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles veulent sortir de cette étape de survie, c'est-à-dire qu'en général elles sont reconverties, elles avaient un job affreux avec de l'argent mais pas drôle avant. Elles se sont offert le luxe de se reconvertir et de faire enfin un métier qu'elles aiment et qui leur ressemble. Un métier plaisir, et puis arrive le moment où elles se disent ok, de travailler dans ce que je fais,
Et si maintenant j'ajoutais aussi le luxe de pouvoir financièrement être à l'aise avec cette activité-là, quoi. C'est-à-dire, elles finissent par se dire, et si j'avais le beurre et l'argent du beurre et le sourire du crémier, etc., etc. Et moi, j'arrive à ce moment-là, et c'est cette éclosion-là que j'accompagne, et j'adore accompagner parce que c'est magnifique, parce qu'on est toutes là pour ça. Et donc, cet accompagnement, il est magnifique. C'est ce qui me vient effectivement quand on parle de ça, c'est que on voit bien que le cadre est là, tous les voyants sont ouverts, tout est ouvert pour que cette énergie, à la fois du plaisir et de l'argent, de l'abondance, circule. Et pourtant, particulièrement dans ces domaines dont on parle là, l'accompagnement, le bien-être, le développement personnel, la spiritualité, on voit particulièrement dans ces milieux-là que l'énergie ne coule pas. Il y Ouais, mais je a suis d'accord. un goulot d'étranglement. Et pourquoi? Moi, je vais te l'expliquer. Pourquoi? Ce que j'ai remarqué. Alors, c'est un point de vue très intéressant, mais c'est qu'en général, ces femmes-là, en tout cas, ont du mal avec l'auto-plaisir. C'est-à-dire qu'elles prennent du plaisir à donner du plaisir, parce que c'est quelque chose de facile, c'est dîner, de donner du plaisir, une classe, de faciliter une personne. Mais quand il s'agit, par exemple, d'explorer son vagin, de venir dans la masturbation, de venir goûter son vivant dans son sexe, j'en rencontre très souvent quand je leur parle de sex toys, de s'acheter ce genre de choses, elles ont les cheveux qui se dressent sur la tête, c'est-à-dire que pour moi, on devrait autant savoir prendre soin de nous, que nous prenons soin des autres. Ça doit être vraiment quelque chose qui doit être à part égale. Et très souvent, enfin moi je me parle hein, quand je te le dis, hein. C'est-à-dire que c'est comme si ça demande, c'est pas inné chez nous de savoir prendre soin de notre plaisir. C'est pas inné de venir, voilà, se prendre du plaisir par soi-même. Alors on va demander à notre homme de savoir nous masturber, savoir bien nous faire l'amour, mais nous, savoir nous faire l'amour. Savoir nous occuper de nous, à mettre une crème de jour qui vaut 100 € en se disant, OK, là, je suis en conscience avec le pur amour que je suis pour moi-même. Elles vont se mettre de la crème anti-cellulite sur les fesses en disant, je veux raboter ça, je veux enlever ça, je veux enlever ça, comme si elles voulaient se séparer de leur corps, hein. Et puis finalement, quand il s'agit, tu vois, de se mettre juste de la crème avec amour, ben, il n'y a plus personne. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans le jugement constamment de notre corps et de vouloir se séparer de plein d'espaces de plaisir possible. Ouais, te séparer, c'est vraiment ça. Et l'image que j'utilise moi régulièrement, c'est celle de la bouteille d'eau, en fait. C'est que nous, on est les spécialistes pour vouloir donner à boire à tout le monde, à commencer par nos enfants. Oui. Mais alors, on ne pense pas que si notre bouteille est vide, c'est compliqué. Et qu'on est en train de puiser dans un espace qui n'est absolument pas confortable pour nous. Donc, donner à boire, oui, mais la première chose pour donner à boire, c'est remplir ta bouteille. Et puis remplir ta bouteille, ça passe par effectivement bah, te faire plaisir d'abord, quoi. Te mettre dans la joie d'abord. Et qu'est-ce qui te met en joie? Mais égoïstement, égoïstement, j'aime utiliser ce Oui, mot un peu qui provoque. superficiellement parlant, oui. Ouais, exactement. Précédemment, c'est ouais, accueille ça aussi, de juste faire plaisir, de tomber dans le bling-bling, dans le paraître, dans le caprice, et pourquoi pas, tu sais, les caprices, on dit que les enfants font des caprices, dépenser son argent de façon inconséquente, et pourquoi pas, si c'est ça qui procure de la joie, c'est là qu'en fait on ouvre des espaces, c'est là qu'on ouvre des réceptacles. Et qu'on peut laisser l'eau arriver dans la bouteille et qu'après on peut redistribuer, mais ça passe d'abord par cette étape qu'on oublie. Ouais. Parce que oui, quelque part, un jour, on a dû entendre, certainement, que donner, c'est recevoir. Alors oui, donner, c'est recevoir. Mais il y a un moment aussi, il faut être à l'écoute de où est-ce qu'on en est dans le recevoir? Où est-ce qu'on en est, en fait? Est-ce que c'est pas, on est en train de se raconter une histoire là? Notre ego est en train de nous raconter une histoire qu'on est en train de recevoir. Peut-être que oui, il y a une partie de nous qui reçoit, mais est-ce que c'est vraiment cette partie profonde, sincère et authentique? Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne, toujours. Enfin,
situation financière, quand je vois les relations à l'argent des personnes avec qui je travaille, ben je me dis que oui, alors il y a une partie qui reçoit, mais il n'y a pas l'ensemble de l'être en fait qui reçoit. C'est la même chose avec le plaisir. C'est vraiment la même chose avec le plaisir. Moi, c'est comme ça que le lien est arrivé dans mon activité. Parce que tout le monde me dit, mais comment ça se fait que maintenant tu parles de sexualité? Ça sort d'où ton truc? Parce qu'en sous-marin, en fait, ça fait... oui, ça fait paraître bizarre. Ça fait des années que... ma première spécialité, c'était le burn-out. Parce que j'ai, dans mon activité professionnelle précédente, de salarié, j'en ai vécu 3. Et que forcément, bah, quand j'ai commencé à travailler en tant que thérapeute, naturellement, les gens venaient là-dessus en disant « Ah, cette expérience, vous la partagez, c'est courageux, comment vous avez fait ?» Et puis, ça ne se voit pas, et puis donc, expliquez-nous. Donc, voilà, j'ai attiré rapidement ce type de personnes, de salariés qui venaient de vivre un burn-out. Et bien sûr que c'était une des premières questions que je posais. Et alors, on en est où en termes d'énergie et en termes de sexualité? On en est où? Vous en êtes où en termes de libido? Alors, ça pouvait toujours choquer un peu, hein, bien sûr. Comment ça se fait qu'on parle de ça alors qu'on est venu pour des raisons à peu près professionnelles? Ça avait l'air sérieux sur le papier, elle avait l'air bien cette dame, et elle me pose des questions sur ma libido. Je ne suis pas venue pour ça, elle est où la sortie, tu vois? C'était ça, ça perturbait pas mal. N'empêche que c'était toujours là qu'on voyait bien que ça coinçait. Et c'était aussi grâce à cette reconnexion à l'énergie de vie que très rapidement on pouvait entamer une renaissance en fait. Mais une renaissance à partir d'un socle solide, à partir des fondations. Moi je rebondis sur ce que tu dis parce que finalement, moi les femmes, je les accompagne tant sur l'énergie sexuelle que sur l'énergie d'argent. Et très souvent, en fait, on vient vraiment accueillir l'archétype de la salope, la fille facile, la femme de plaisir, la femme de joie. Et ça veut dire accueillir tous ces pendants-là de nous, oser, si tu veux, mettre un décolleté, se faire plaisir à se mettre un décolleté. Alors, j'aimerais aussi pouvoir partager ici entre être une femme qui va, en fait, utiliser ses atours pour attirer le regard et remplir un vide narcissique, et il n'y a pas de problème avec ça, sauf qu'il faut être consciente qu'à ce moment-là, si tu n'es pas présente en conscience à l'intérieur pour recevoir et les sifflements des mecs et leurs remarques, vaut mieux pas s'habiller comme ça. Par contre, la femme qui s'assume totalement, qui est prête à recevoir, parce qu'on ne peut pas nier la nature masculine est excitée par nos corps, ils sont excités par la vision. Magnifique, c'est comme s'il fallait qu'ils fassent ça et donc ils castrent leur pénis et leur couille. En gros, c'est ça. C'est ce que certaines femmes demandent aux hommes quand elles s'habillent d'une façon très sexuelle. Il n'y a pas de problème avec ça, mais est-ce que je suis capable de recevoir pleinement l'énergie masculine? Et finalement, une femme, quand elle s'habille sexy ou entre guillemets avec l'archétype de la salope, mais qu'elle est dedans, dans son masculin, dans son féminin, qui font un. Quand elle s'est unifiée, quand elle est plaisir. C'est-à-dire que si un mec la siffle, elle ne va pas le prendre comme une agression. Moi, je ne le prends pas comme une agression. Quand on me dit que je suis belle, je dis oui, je sais. Et j'accueille, je me laisse traverser et ça me rend vivante. Mais je ne vais pas raser les murs ou je ne vais pas agresser ou me dire qu'est-ce que t'as, gros connard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en cohérence, nous les femmes, qu'on soit dans ce plaisir, dans ce creuset. Moi, j'appelle ça vraiment ce creuset où on a rempli. On est venu se remplir à l'intérieur de notre vulve. On est venu enlever tous les pénis, tous les traumatismes ancestraux, transgénérationnels, pour venir nous goûter du dedans. Et quand c'est plein, quand je suis pleine, ben en fait, j'ai pas de vampire qui va venir me piquer mon énergie puisque je suis dedans. Donc, je peux m'habiller sexy. Je peux m'habiller avec l'archétype comme étant une salope. Il n'y aura pas de problème. Oui. Voilà, c'est exactement ce que j'entends moi. Ce plaisir d'être la salope. Ça, ce qui est déjà effectivement un moment où on se sent suffisamment solide et ancré, tu vois, pour juste être en fait et assumer complètement, d'avoir envie de porter telle ou telle tenue, d'avoir telle ou telle présence en fait, telle ou telle couleur. Hein. C'est ça, moi
parle beaucoup de couleurs aussi de l'arc-en-ciel, qu'est-ce que j'ai envie d'afficher et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce que tu expliques là, moi, ça me fait penser à l'argent, c'est la même chose. En fait, on parle d'homme qui siffle, d'homme qui est excité, d'homme qui va réagir. Et c'est la même chose avec l'argent. C'est que j'entends aussi beaucoup de femmes qui disent, bah voilà, j'en manque, j'en ai pas assez, l'argent ne vient pas jusqu'à moi. Et pourtant, je fais tout pour. Voilà, c'est ça que j'entends régulièrement. Et pourtant, je fais tout pour. Donc voilà. Donc on pourrait dire que voilà, mettre tous les apparats pour attirer l'argent, c'est une chose, mais après dire je fais tout pour, apparemment non, il y a un endroit où c'est pas prêt à, en fait à accepter que ça vienne, à recevoir cette énergie là, parce qu'elle est too much, peut-être parce qu'elle est trop, parce que elle vient avec des abus, elle vient avec des jugements, elle vient avec des peurs, elle vient avec, je vois bien, hein, la peur de réussir, la peur d'être trop visible, la peur d'être débordée, la peur d'être jugée, d'être prise pour une femme, une businesswoman avide, etc., etc. Donc tout ça, ça vient et ça empêche de recevoir ce qui est pourtant est demandé. Donc imagine la confusion que ça peut créer, c'est-à-dire que, ok, qu'est-ce qu'elle veut en fait celle-là ? À la fois elle demande, elle fait tout pour, ouais. elle appelle, elle allume, elle aguiche. Wow. Ouais. Et puis en fait, elle veut, quand on lui... mais en fait ouais, elle veut pas. Ben voilà. Et quand l'argent siffle et lui fait, et ben elle fait, ah non, bigorneau, casse-toi, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle ne veut pas être pénétrée, en fait. Ouais. Elle ne veut pas être pénétrée ouais, ouais. par le masculin. Mmh. Ouais. Alors ça forcément, mmh, ça crée des allers-retours. Ça crée des allers-retours qui sont très inconfortables. Mmh. Et on moi, les connaît d'autres. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On les connaît d'autant mieux que... Moi, je viens exactement de là. Hein. Moi, je viens de là. Hein. De la femme, justement, qui se... comment te dire ben, comme je l'expliquais dans le live que j'ai proposé hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais moi, je viens du monde du superficiel. C'est-à-dire que c'était, en fait, je m'appuyais sur une coquille extérieure de femme facile, parce que comme ça, j'attirais les regards, mais je ne savais pas faire de l'argent. Mais donc, du coup, je me suis... pour rencontrer la solidité, la rigidité masculine qui, eux, savaient faire. J'avais posé un banquier. Oui, c'est voilà, ça. Donc, ah oui, c'est intéressant. Et oui, ouais. Voilà, je me suis arrêtée pour ça parce que de toute façon, comment te dire, j'étais une belle plante, hein. J'étais une belle plante. Mais comment te dire, j'ai utilisé, c'est ça, mon corps pour attirer l'homme qui allait pouvoir me sécuriser dans mon incapacité à faire de l'énergie d'argent. Voilà. Et il a bien fallu que ma coquille d'œuf, hein, tu vois, la coquille, ça, c'est ce qui protège, en fait. Hein, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Il fallait bien qu'elle me serve à quelque chose. Moi, je l'ai utilisée pour ça. Parce que, intérieurement, j'étais incapable de métaboliser l'énergie d'argent. J'ai trop de fractures d'abandon, de séparation, d'humiliation. Toutes ces fractures-là, moi, je les ai toutes visitées, mais plus, tant avec l'énergie parentale qu'avec l'énergie de mes compagnons, qu'avec l'énergie d'argent, sans séparation. Tu vois ? Et c'est pour ça que j'invite vraiment les femmes à se mettre vraiment debout. Debout, hein. C'est vraiment debout, c'est sur des pieds, sur des jambes solidement accrochées à un bassin. Alors, je te vois. La puissance et de regarder avec une bienveillance amoureuse eh bien, là d'où nous venons, à la fois nos parents, nos grands-parents, mais également comment on s'en est sorti jusque-là. Regarder comment on a fait, comment on a métabolisé jusque-là, pour pouvoir changer de mécanisme, c'est-à-dire pouvoir changer, il faut regarder comment on a fonctionné jusque-là. Oui, absolument. Avec du courage et puis avec des personnes qui sont passées par là, parce que ça rassure. Ça rassure. Et je suis en train de lire les commentaires aussi en même temps. Et effectivement, des personnes qui réagissent en disant il y a de l'espoir, on peut en sortir. Et oui, bien sûr qu'on peut en sortir. Et rassurez-vous, c'est un travail permanent. C'est un exercice permanent. C'est
Enfin, c'est énorme. Enfin, moi, je veux dire, tu sais quoi, je vais te le dire, je le dis à tout le monde, quand on me demande comment ça va, je lui dis, t'es sûre d'entendre la réponse? Je dis, ça va être très indécent. Je suis quelqu'un de très indécent, mais je vais tellement bien, je suis tellement heureuse aujourd'hui que c'en est presque indécent. Voilà, c'est-à-dire que quand on me demande, ben, je dis, ben, ma réponse va être indécente, mais en fait, moi, tous les voyants sont au vert, tout va bien dans tous mes domaines de ma vie. Et pourquoi? Parce que j'ai osé aller regarder les espaces sombres, les espaces de manipulation, de renoncement, de déni. On est toutes et tous, on s'est tous repliés dans des stratégies de déni pour ne pas voir certaines choses, pour voir les espaces où nous manipulons nous-mêmes, pour voir les espaces où nous castrons, pour voir les espaces où nous sommes des dépendants affectifs, pour voir les espaces où nous avons, voilà, plein d'espaces. Et ça demande beaucoup de courage d'aller regarder ce que l'ego considère comme étant mauvais ou pas spirituel ou pas bon. Ça demande beaucoup de courage d'aller se regarder vraiment tel que nous sommes et de dire oui à ça. Parce que quand dire oui, jouir de la vie avec un grand oui, c'est pas jouir juste pour le plaisir, c'est pouvoir même dans une situation dite compliquée, voir la légèreté dans une situation compliquée. Que la joie finalement puisse et la jouissance, j'amène ça à l'orgasme de naissance, mais qu'une naissance d'un enfant, elle peut être extrêmement douloureuse, mais elle peut être extrêmement orgasmique. Il y a des gens qui vivent des maladies, moi je connais des personnes qui ont vécu dans certains cancers des orgasmes de conscience, de guérison instantanée. C'est possible. C'est juste une possibilité. On nous apprend à lutter tout le temps. On nous a appris à lutter contre tout et à être addict à la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça veut dire qu'on peut se mettre dans un espace différent pour la recevoir. Exactement. Et j'aime bien cette expression de jouissance parce que ça évite de tomber dans ce terme d'acceptation. On t'invite justement à accepter ce qui est. Et on voit bien que quand on dit à l'ego qui est déjà en souffrance d'accepter, ça crée une résistance encore plus forte. Alors que si on lui parle de jouissance, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air justement, on pourrait dire indécent, ou qu'est-ce que ça vient faire là en fait? Tu vois pas que je suis en train d'en baver là? Tu vois pas que c'est la cata là pour moi? Je suis vraiment menacée. On lui parle de jouissance, ça crée en fait une surprise, ça crée un décalage Un intéressant pourquoi qui pas? permet d'aller s'engouffrer, exactement, qui permet d'aller s'engouffrer et puis de remettre du mouvement et du pourquoi pas et des questions et d'autres perspectives. Et je trouve ça assez brillant en fait, cette formule-là de jouir de la vie. Pour aller accepter, dénouer et puis créer autre chose. Donc passer dans cette nouvelle dynamique et c'est aussi cette dynamique-là d'ailleurs qu'on propose aux personnes qui nous écoutent et qui sont nombreuses d'ailleurs à nous écouter. C'est génial de passer ce déjeuner en votre compagnie. Parce qu'on pourrait y passer la journée, je sais Karine, hein, sur ce sujet. Ah ouais, j'adore. Mais J'adore. oui. Dès qu'il s'agit de plaisir, d'argent, de femmes, d'hommes, ouais, j'adore. C'est passionnant Donc nous, on et vous invite la semaine prochaine. C'est quand? C'est jeudi c'est qu'on se voit, jeudi, qu'on c'est se ce rencontre, jeudi jeudi? pour ta fête. Parce que Ouais, mais oui, le et ouais. 7 novembre. Le Le 7 7 novembre à novembre à la 20h. Sainte-Carine. À 30. 20h. 20h30, c'est ça. Ouais. À 20h30, on Pour vous un propose webinaire, encore. justement. Vas-y. Oui, ben non, mais t'es bien partie, je te laisse la main, ma belle. Oui, un webinaire en soirée. Alors, on sera en soirée déjà, dans une autre ambiance, avec des bougies, tout ça. Et puis, on aura la nuit devant nous, si on veut. Et puis, on aura surtout un espace où on peut communiquer avec vous, où ça peut être plus interactif, parce qu'il y a des chats et vous pouvez poser vos questions, on peut y répondre. Et donc, on pourra parler de ce sujet-là, de l'argent et puis de la joie. La thématique qu'on vous propose, c'est réconcilier l'argent avec la joie, réconcilier ton argent avec la joie. Et donc on va proposer pendant 1h30 du contenu autour de ça.
c'est-à-dire des solutions pour avancer et pour se remettre dans un, dans une énergie de recevoir et puis dans une énergie de jouissance avec l'argent, avec une autorisation, avec une liberté, avec une légèreté complètement, complètement nouvelle et puis surtout remettre de la fluidité dans cette qui est au cœur de presque tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on est. Ben oui, voilà. Ben pour le corps, en tout cas, c'est hyper important que les gens soient vraiment en conscience avec cet espace que l'argent sert au corps. C'est une voie de passage de manifestation de l'invisible au visible et que c'est, voilà, enfin, honnêtement, notre âme et notre être infini, ils s'en foutent un peu, enfin, ouais, surtout l'être infini, enfin, ce qu'on appelle l'âme ou je ne sais pas quoi. L'âme est incarnée dans le corps, mais le corps a besoin de cet argent là, pour avoir un toit sur la tête, pour pouvoir manger, pouvoir échanger, pouvoir construire. Voilà, donc c'est comment justement on passe de l'invisible au visible, comment est-ce que tu es prête et prêt à manifester l'énergie d'argent dans ta vie, dans la joie, la jouissance, l'allégresse, voilà. C'est ça. Rejoins-nous. Un joli programme, exactement. Donc, on a le lien d'inscription au-dessus, ouais. En dessous, je ne sais pas où il est dans la vidéo, au-dessus. Vous allez le trouver au-dessus. Au-dessus. YouTube, ça sera dessous. Il est partout, de toute façon. Tu vas le trouver. Si tu ne le trouves pas, tu nous écris. Et puis, si tu n'es pas dispo aussi jeudi soir à 20h30, ça peut arriver. L'inscription te donnera accès à la rediffusion. On va enregistrer, bien sûr, notre webinaire et puis tu pourras le regarder en rediffusion. En rediffusion. Youhou ! Du coup, je ne t'entends plus. Ok, les amis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Et le replay, évidemment, sera disponible sur mon profil et sur ma... Ah non. Voilà. C'est revenu. Un petit mot de la fin, mais toujours le même. Jouis de ta vie avec un grand oui. Réconcilie-toi avec toutes les énergies de la Terre. Voilà, qu'elles soient telluriques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient de l'argent, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient voilà, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. En effet, vraiment pour conscientiser qui nous sommes. Et toutes ces énergies parlent de nous, hein, de qui nous sommes. Voilà, saisissons-nous cette possibilité de nous découvrir qui nous sommes réellement. Yes. Yes. Bon, moi je me réjouis. Je t'embrasse, Cécile. Je vous embrasse tous très fort. Merci, Karine. Ouais. Ciao. C'est infini la réjouissance. Ciao, ciao. À jeudi. Ciao, au revoir.